Madame. De combien de fois t'ai-je averti de ne plus me toucher? Hein? De combien de fois? Tu es malade? Pourquoi tu me gifles? Tu es normal? Juste parce que je t'ai touché? Dégage! Appelez la police! Tu es très stupide! Cette fille est normale? Je vois que tu n'es pas normal. Que le tonnerre te frappe là-bas! Parce que je t'ai touché? Levez la main pour me gifler. C'est quelle fille ça? Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Madame, venez me donner mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Maman, ce gars m'a sifflé. Quel gars? Maman, n'est-ce pas ce stupide ami d'Isouda? L'ami d'Isouda m'a sifflé. Il t'a giflé d'un autre gars? Qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Je marchais comme d'habitude. Il m'a stoppé. Je lui ai dit de ne plus jamais me stopper. Je l'ai giflé. Et il t'a giflé. Ne t'en fais pas. Cesse de pleurer. J'ai dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Allô, 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 Afamou. Ma jolie maman. Maman, dis-moi, quoi de neuf? S'il te plaît, je veux te voir dans mon resto tout de suite. Oui, oui, oui. Maintenant, Afamou, s'il te plaît. Ah! Sans problème, maman, sans problème. J'arrive tout de suite, maman. Tu vas me voir. Tu vas me voir, maman. J'arrive tout de suite, maman. J'arrive. N'importe quoi, il te gifle. Cesse de pleurer. Je te dis d'arrêter de pleurer. Cesse de pleurer. C'est bon, ça va. Désolé. Que se passe-t-il? Les gars, on doit aller voir maman Adia. C'est elle qui vient de m'appeler là maintenant. Dans sa voix, c'est comme si quelqu'un lui avait fait du mal. Ça nous fera du boulot. Mec, qui ça peut bien être dans cette gare routière? Mon pote, j'essaye de comprendre. Tu ne peux pas raisonner. Mais qu'est-ce qu'il y a, mec? Si quelqu'un lui a fait du mal, pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème. Tu sais ce qu'on va faire? On va simplement faire la fête de cette personne. Bam! Avec plaisir, tu comprends? Quand on aura terminé avec cette personne, elle comprendra qu'elle avait affaire à des hommes. Il va comprendre. On va lui montrer, je te dis. Ne fais pas, mec, on va lui faire sa fête. Il comprendra que c'est nous qui faisons la fête. Je suis sérieux, boss. Je vais seulement le massacrer, les gars. On va lui montrer, je vous dis. Je vais en finir avec lui. Vous me comprenez? C'est clair. On va le massacrer. On va le massacrer. On va lui casser sa sale gueule, ce gars. Mais attends, je connais le gars dont tu parles. Je ne le connais pas. Il est nouveau dans le quartier. Il a un teint clair et il a la barbe. C'est le gars qu'ils ont ramené de son village? Oui. Il t'a giflé? Oui. Hey, voilà le genre de jeu que j'aime. Bon, ça veut dire que tu connais la personne. C'est un gros que je voulais depuis, gars. Qu'il tombe dans mon piège, frère. Aujourd'hui, Dieu a répondu à ma prière. Ce que veut dire qu'on n'a pas tant à perdre. Ne perdons pas de temps. Allons-y sur le champ. Ne perdons pas de temps. Non, mais ce gars nous a donné du poulet. Il faut qu'on aille le remercier. Adja. Ne t'en fais plus. Hélène, ne pleure plus, ok? On va lui faire sa fête tout de suite, là, maintenant. J'ai confiance en toi. Les gars, allons-y. Je te fais confiance. On y va. Madame, comme c'est pressé, je revenais manger tout à l'heure pour question d'avoir un peu d'énergie, d'accord? Tu comprends? Mm-hmm. Ne t'en fais pas pour ça. Ok. Ah, Oga, Fomo. Bonsoir. Qui est toi, Oga? Je ne suis pas ton patron. Ah, c'est toi, non? Celui qui ne te connaît pas dans cette gare est sûrement nouveau. C'est toi le boss de cette gare. Boss, c'est l'imbécile ici. Voilà le type.
Donc comme ça nous sommes tenus là comme ça regarder la télévision. Pourquoi tu sais ce que tu prends? Allez, lève-toi, salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tais-toi. Tu n'as pas peur de nous. Quoi ton problème? Tu as respecté. Tu n'as pas peur de nous. On va prendre ce petit salopard et on va aller le massacrer trop loin d'ici. On va aller ailleurs. Ah oui? Très bien. Oui, allons le massacrer. Ah bon? Attends, on ne le fera pas ici. Allez, retire-moi, c'est ma bouche. Dépêche-toi, avance. Allez, avance là-bas. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu te prends, toi? Avance par là-bas. Avance. Tu. Allez. Allez, c'est parti. Avance. Marche là-bas. J'ai rien fait. Avance là-bas. Dépêche-toi. Malade. Avance là-bas. Hein? Bébé, tu dois venir avec moi. C'est quoi le problème? Oui, tu dois venir avec moi maintenant. C'est quoi le problème? Je ne sais pas ce qu'Obina a fait. Afumo et ses gars sont en train de le tabasser. Oui. Où sont-ils? Sur le grand terrain, là où on garde souvent les camions. Oui. D'où Jésus? Tu sais quoi? Allons-y. Oka, s'il te plaît, permets-nous de laisser ce paquet chez toi. C'est une urgence. Merci infiniment. Hey, bébé, allons-y. S'il te plaît, c'est mon frère. Je t'assure qu'il ne le refera plus. Depuis que tu me connais dans cette gare, est-ce qu'une seule fois j'ai cherché quelqu'un? Personne. Tu es un gars correct. Tu es différent. Je ne sais pas où tu allais prendre ce gars. Biko, s'il te plaît, il ne le refera plus. Pardonne-lui, s'il te plaît. Il croit qu'il est sage. Non. Il croit qu'il est sage, n'est-ce pas? Non. Il a refusé d'utiliser ma brouette en location-vente. Il est allé acheter une vieille brouette qui est plus laide que ma brouette. Genre, on dirait 1 million de fois. Hein? Il ne savait pas que j'étais fâché depuis là. Aujourd'hui, si même, il a gagné le jackpot. Il est allé chiffrer la fille de mon Mamadia. Dans cette gare, il connaît Mamadia. Hein? Là, il a cherché les problèmes. Tu vois la grosse maison là? Là-bas, il y a des policiers. Ils sont venus de la part du gouvernement. Je les ai appelés. Je vais leur dire que c'est lui le voleur, le terroriste, tout ce quartier. Afon, pardon, mon Dieu, aide-nous. Tais-toi! Je ne veux plus entendre ta voix, pétasse! Biko, s'il te plaît, il ne le refera plus. Afon, regarde-moi, regarde comment cet homme s'humilie pour te supplier. Vos pardon, on t'en... S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Combien vous allez payer? Quittez devant mes yeux avec ça. Ce que tu voudras. Priez le nôtre. Ce que tu veux. Combien tu voudrais qu'on paye? Oui, combien? Combien? Bon, s'il te plaît, dis-nous ce que tu veux, on va s'il te plaît. Hey! J'ai laissé ma boîte ici, qui a pris ça? Obina, on parle de ta vie et toi tu es là à te soucier d'une vulgaire brouette. Je ne demande pas ma brouette pourquoi. Ma brouette était ici quand je suis parti, non? Mais je vais utiliser l'argent pour acheter ça. Obina, ta brouette est en sécurité. Nous l'avons gardée pour toi. Et tu... c'est ce qu'il fallait me dire depuis le début. Nous sommes là à parler de ta vie et toi tu es là à parler de ta brouette. Attends d'abord, Obina, pourquoi tu gifles cette fille? C'est elle qui a commencé à me gifler. Je l'ai vue. Et je l'ai salué. Je l'ai appelé Hélène. Et elle a réagi en me giflant. Je lui ai rendu sa gifle. Pourquoi me gifle? Mais pourquoi, non? Tu l'as giflé en retour. Parce que je l'ai salué. Superman. C'est la seule chose que j'ai fait. Je l'ai juste salué Hélène. Tu l'as fait parce que t'es Superman, n'est-ce pas? Maintenant, regarde. Je t'ai prévenu, Obina. Je t'ai prévenu. Mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, regarde. J'ai dû m'endetter de 20 000 Naira pour payer ta libération. Oui. C'est ce que tu as donné pour moi? Oui, oh. En plus, on les a tellement suppliés. On les a tellement exactement suppliés qu'ils prennent les 20 000 Naira. Pourquoi non? Pourquoi vous leur avez donné 20 000 Naira? Regardez-vous même ce qu'ils m'ont fait. Je leur ai encore donné 20 000 Naira. Pourquoi? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je leur ai encore donné 20 000 Naira. Notre agent de Dieu labeur, tu leur as donné. Ah, Obina, c'est ok, ça c'est va. C'est quoi ça? Pourquoi leur as-tu donné? Pourquoi leur as-tu donné? Ça va. Obina, laisse tomber ce que je te dis. Ok, par contre, ici, tu veux qu'ils viennent nous retrouver ici? C'est vraiment ce que tu veux? Pardon, laisse-moi. Ah, tu veux qu'un fourmi vienne encore nous retrouver ici, c'est ça? Obina, Biko, partons. Rassure-toi, on va s'occuper de toi. C'est ok. Je veux pas du tout de problème avec eux. Je veux pas de problème.
des yeux. On mange pas mal ce midi. Que la paix soit avec vous. Et avec toi aussi. Tu peux dire Catrice ? Je partage la bonne nouvelle et l'amour de Dieu pour l'humanité. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Christ est venu et est mort. Il est venu, a souffert, est mort pour nos péchés, pour qu'on ne souffre plus. Nous, on souffre. Hein? C'est pour ça qu'on est ici. On souffre vraiment beaucoup. Vas-y, continue, s'il te plaît. Va faire quoi? Ça, c'est la raison de l'évangile que vous êtes en train d'écouter à l'instant. Si vous croyez en toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies, vous ne souffrirez plus. Tu es de quelle église? Il ne s'agit pas d'église. Il s'agit du Christ. Bado! Bado! Lève-toi là! Dépêche-toi de partir! Attends, j'arrive! Comme tu le sais, on a beaucoup travaillé aujourd'hui, alors pourquoi n'irions-nous pas chez Adia pour manger un bon repas? Toi et qui? Toi et moi, bien sûr. Ce n'est pas toi et moi. Jamais de la vie, je n'irai là-bas. Je suis fou. Attends, Obina, tu viens de manger du pain et de l'eau, c'est assez pour te donner de la force. Mec, si elle veut qu'elle soit les seules à vendre la nourriture dans ce quartier, comme tu me vois là, je n'irai plus jamais là-bas. Hé, attends. Je comprends que tu sois encore fâché, mais tu sais, pardonne-moi, tu sais. Ça fait partie des problèmes qu'un homme doit affronter pour grandir. Qu'est-ce que tu essaies de conseiller? J'ai dit que je ne veux pas y aller, toi va manger là-bas. Et là, me dire n'importe quoi. Et tu comptes me laisser planter là? C'est quoi ça? Viens prendre ma brouette, toi vas-y. Très bien, à la prochaine. Dépêche-toi de m'apporter mon plat. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? J'arrive. J'ai pas tout le temps du monde, il faut que j'aille travailler. Mais beaucoup de riz. T'en fais pas, j'ai bien mis. Quoi? Va mettre de la viande. Tu veux que je mange sans viande, peut-être? Je ne m'as pas dit que tu veux de la viande. Va me mettre de la viande, mon ami. D'accord, pas de problème. C'est pas trop tôt. Et tu veux de l'eau glacée? Oui, donne-moi de l'eau glacée. Tu n'aurais pas de l'eau minérale ici par hasard? Ne te fâche pas, on est allé acheter. Et où est ton frère? Il est toujours dans ce quartier. Pourquoi tu me poses cette question? Ah, c'est juste parce que je ne le vois plus. Il voulait jouer les gros durs. Je lui avais dit qu'une femme pouvait être plus puissante qu'un homme. Et comme il voulait jouer les gros durs, il a eu la leçon de sa vie. Hein? Écoute, dis-lui juste ceci. La prochaine fois qu'il voit une fille comme moi en route, il ne doit pas la sous-estimer. Dis-lui cela. Je ne lui dirai rien. Va le faire par toi-même. Quand tu le verras. Laisse-moi prendre plaisir à manger mon repas. C'est quoi ton problème? Hey, Timo, mon fils, qui sait ce qu'il endure là-bas? Qui sait comment la vie le crête? Jay, Obinawam, Jay.
Alors, Obina, mon fils, comment tu vas? Bonsoir. Maman, je ne vais pas bien. Je sais. Tu vois, cette vie n'est pas un lit de rose. Depuis la création, on doit se battre. Seuls les plus forts survivent. Oui, je comprends, je sais. Je sais, je comprends cela. Car je sais pourquoi tu as quitté ce village. C'est bon, mon fils. Hein? Reste tranquille. Garde ta foi en Dieu. Les choses vont changer. Et comment ça va changer? Tu ne peux savoir. Mais fais-moi confiance. Les choses iront pour le mieux. Hein? Est-ce que tu m'entends? J'ai entendu, maman. Merci infiniment pour tes paroles encourageantes. Je me sens un peu soulagé maintenant. Je sais. Ne suis-je pas ta mère? Hein? Je suis ta mère, je le sais très bien. Je sais par quoi tu passes. Merci, maman. Je te promets de faire de mon mieux, de... Je te promets de continuer à bosser dur jusqu'à ce que Dieu me bénisse. C'est bien. C'est bien. Dieu te soutiendra. Pas de quoi, mon fils. Pas de quoi. Prends soin de toi. Oui. Ouais. Bye. Oui. Bonne nuit. Salut. Mec, comment tu vas? Bien, je viendrai porter ça après. Ah. Maman. Il m'appelle encore? Pourtant, il m'appelait hier soir, non? Maman? Na, bonjour. J'espère que tout va bien. Tout va bien. C'est juste que j'ai oublié de te dire quelque chose de très important quand je t'ai appelé hier nuit. Qu'est-ce que c'est? Mon fils, quel que soit ce que te coûtera, une bonne Bible complète et paye-la. C'est très important, hein? Une Bible? Oui, une Bible. Écoute, mon fils, pour que tu réussisses dans cette vie, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Oui. Je veux que tu lises toujours la Bible. Lis ta Bible à la première heure avant de sortir. Et la nuit, avant de dormir, hein? Est-ce que tu m'entends? Ok, maman, je vais d'abord aller déposer la marchandise d'un client. Et puis, je t'appelle après, ok? Bien. Écoute, Obina... Ne blague pas avec ça. Je suis très sérieuse là. Tu as compris. J'achète une Bible. J'ai compris. C'est bien. Na. Ozibowa. Omanitamwam. Wanekodi. Oh. Prends soin de toi. Hein? Bye. La Bible est mon problème maintenant. La vie sans le Christ n'en vaut pas la peine. Elle est pleine de stress, pleine de souffrance, de maladies et même la mort. Mais en Christ, tu as la rédemption. Pour ton âme en premier et pour ton corps ensuite. Ok. Donne ton cœur,
Change ta vie et tu verras à quel point tu seras joyeux et satisfait dans le futur. Tu veux dire que si je donne ma vie au Christ maintenant, je vais arrêter de pousser ma brouette comme je le fais tous les jours, qu'il va me donner assez d'argent pour que je lance un grand business? C'est ce que tu me dis. Ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas de la fortune physique qu'on appelle l'argent. Ce que Christ va te donner est plus grand que la fortune physique. Il te donnera la vie éternelle qui t'apportera toutes ces choses que tu recherches actuellement. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu vois, toutes les autres choses se mettent en place. Frère Izo, bonsoir. Il y a quelqu'un qui veut que tu ailles porter ses affaires. Où est-elle? Là-bas devant. Okay. Ah, dégage! Tu me parles de Christ, s'il va me permettre de gagner ma vie. Est-ce qu'il va me donner de l'argent en cash, ton Christ à la noix? Orga, c'était vous qui demandiez après moi? Où sont les paquets à transporter? Tout ce que cette fille là-bas te disait est très vrai. Et j'aimerais que tu y repenses encore. Orga, je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Prends cette Bible. Prends-la. Orga. Orga. Cette Bible a la capacité de changer toute ta vie. Entrez mieux à cet instant même. Assure-toi de la lire chaque matin quand tu te réveilles. Et ta vie va complètement changer. Orga. Ce n'est pas de la Bible dont j'ai besoin. J'ai besoin d'argent. Si tu éprouves le besoin de me bénir, bénis-moi. Je n'ai surtout pas besoin de Bible. Orga. Absolument tout l'argent dont tu as besoin est dans cette Bible. Donc j'aimerais que tu rentres avec chez toi et assure-toi de la lire chaque matin. Ta vie ne restera pas la même. Orga, c'est pour cette Bible que vous m'avez appelé. C'est la même que vous venez de me donner. Vous n'avez pas de bagages à transporter. Vous n'avez pas d'argent à me donner. Juste une Bible. Assure-toi de la lire tous les matins. C'est compris. Acheter une Bible? Une Bible? Où ça? Tu te rappelles de cette fille qui venait nous prêcher la bonne parole à la gare? Elle était en train de prêcher quand ce monsieur étrange est venu et il m'a dit que tout ce que cette dame disait, c'était la vérité. Ensuite, il m'a remis cette Bible. Tu me vois acheter une Bible? Je suis étonné de voir la Bible. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Alors, qu'est-ce que t'as préparé? J'ai préparé du feu. Comment ça t'as préparé le feu? Mais mec, je viens juste de rentrer, mais qu'est-ce qu'il y a? De l'argent que tu m'as dit de te donner, que tu allais cuisiner à ton retour, n'est-ce pas? Oui, aussitôt que je suis venu, je suis allé me laver, c'est là que tu es rentré, frère. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Moi j'ai faim. Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu as gardé dans ces sacs? Ubi chukunu emado
Iputukubuni madwe Ayame lua Utuku Dadigwe Otimbo Utuku Ubedum madu. Ah, Seigneur Dieu, je te remercie. Seigneur, je t'adore. Père, j'exalte ton saint nom. Père, je te remets, mon fils. Obina, à tes soins précieux. Père, ô Dieu Tout-Puissant, tu sais qu'il est tout ce que j'ai. Ah, roi de gloire, comme il a quitté ce village, Seigneur, de grâce, ne le mets pas dans la honte. Qu'il revienne riche, que ses amis, plus riche que ses égaux, ses camarades, Seigneur, Père. Bénis-le abondamment, ô Dieu, tout ce qu'il fera comme travail dans cette ville. Ô Dieu, bénis-le. Oh, pour que, quand il reviendra, il reviendra riche, Seigneur. Seigneur, pitié, je t'en supplie, ô Père éternel, de grâce, permets que mon fils revienne riche au nom de Jésus. Que mon fils revienne riche au nom de Jésus. Que mon fils revienne puissant au nom de Jésus. Amen. Ah, roi de gloire, merci. Je te remercie, je t'adore, j'exalte ton saint nom. Je te remercie pour ma prière exaucée au nom de Jésus. Amen. Frère, ne vas-tu pas au travail aujourd'hui? Quel boulot. Mais c'est pas du mal pour ça aujourd'hui. Je comprends pas. Comment ça, qu'est-ce que j'ai? C'est comme ça que ma vie sera? Hein? Semaine après semaine, jour après jour, quelqu'un bosse dur, il n'y a aucun résultat. Hein? Regarde-moi, j'ai déjà mal au dos parce que je pousse la brouette. Pardon. Alors, dis-moi ce que tu comptes faire maintenant. Tu veux rentrer au village, c'est ça? Il ne s'agit pas de rentrer au village. Et plutôt de chercher autre chose. Je ne peux pas pousser la brouette pour rien. J'en ai marre. Pardon, cherchons autre chose. J'en ai marre de pousser la brouette. Écoute, le seul travail que nous pouvons faire au-delà de la brouette, c'est l'usine. Et avec un peu de chance, à la fin du mois, on te paiera 15 000 à 20 000 naira. 15 quoi? Et ce n'est pas tout. Écoute, si tu t'absentes un jour, ou si tu te rends en retard au travail, à la fin du mois, on le déduira de ton salaire. Peut-être qu'à la fin du mois, tu pourras rentrer avec peut-être 5000 naira. Hein? Oui. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as quelqu'un qui peut prendre le risque de te prêter du capital pour que tu lances ton propre business, bien, c'est drôle, hein? Si j'avais une personne qui pouvait me donner le capital, tu crois que je serais ici? Écoute, mon frère. C'est pourquoi je dis que on doit garder ce travail. Parce que, tu sais ce qu'on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu ne veux pas aller au travail, n'est-ce pas? Vas-y d'abord. Ah. Après, je vais chercher à manger. Un truc à manger. Très bien, moi je vais travailler. Fatigué. À plus tard. Je croyais au moins que tu allais comprendre ce que je disais. Seigneur, c'est comme ça que ma vie va continuer. Je vais d'abord chercher quelque chose à manger. Ça sera mon épargne.
Genèse. Juge. Samuel. 2 Samuel. Chronique. Qu'est-ce que c'est? La banque? La banque. Salut. Bonjour. Oh, madame la banque. Pardon, pardon. Madame la banque. Comme tu me vois là, je n'ai pas besoin de perturbation. Pardon, prends tes choses et va-t'en, s'il te plaît. Je ne voulais pas te déranger. Je veux juste... tu sais... S'il te plaît, non. C'est quoi ton problème? Je t'ai dit que la personne qui a de l'argent qui ouvre un compte. Si je veux un compte maintenant, quel argent je vais mettre à l'intérieur? Voilà les propriétés des boutiques, va les voir, ne me dérange plus. Même les vieux et les femmes ouvrent des comptes. Laisse-moi en manger. En plus, un jeune homme comme toi. Ou bien tu veux rester pousseur de brouette tout le reste de ta vie. Que le tonnerre te frappe. C'est quel genre de bête parole ça? Donc tu me souhaites de rester comme ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est quel genre de parole ça? Pardon, ne me pousse pas à t'insulter. Attends que je commence d'abord un business, quand j'aurai commencé. Là, je vais commencer à penser à ouvrir un compte. Le monde évolue. Quelqu'un pourrait vouloir t'aider. Et la seule façon de t'aider, c'est si tu as déjà un compte. Donc c'est juste pour tes futures opportunités, c'est tout. Écoute, prends juste ces papiers, hein? Remplis-les. Pour des choses futures, mon numéro est là, appelle-moi quand tu veux, s'il te plaît. Tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Et qui va remplir tous ces trucs? Hein? Qui va remplir tous ces trucs? Je peux t'aider à les remplir. En fait, ce sont des questions simples. Tu mets juste ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, si tu es célibataire ou marié. Ce sont des questions simples. Ta nationalité est nigérienne. Tu es nigérien, non? Ta date de naissance et les autres choses. Oui. Ok, ok. Donc, je vais remplir ça maintenant. Merci. Merci beaucoup, hein? Voici ton numéro de compte. Ta carte bancaire sera prête la semaine prochaine. Ok. Et où est la facture de NEPA? Je te la porterai la semaine prochaine, avec ta carte. Ok. Parce qu'on utilise ça pour payer les l'électricité de la maison. Je sais, la banque l'utilise aussi. Ok, sans D'accord. souci. Madame, désolée, je venais vous voir. Si vous voulez ouvrir votre compte, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. Merci. Merci. 26 27 007. Qui t'a donné ce chèque en blanc? Un chèque en blanc? Oui, qui te l'a donné? C'est quoi un chèque blanc? Écoute, selon le niveau de richesse de la personne, ok? Si tu écris n'importe quel montant sur ce chèque, l'argent sera tout à toi. Hein? Je t'assure. Qui t'a donné le chèque? Si j'écris n'importe quoi maintenant, tu vas me donner l'argent? Donc, je veux savoir qui t'a donné le chèque. Écoute, hein? Oublie comment j'ai eu le chèque, hein? Tu dis que si j'écris n'importe quel montant ici, tu vas me donner l'argent? Si tu écris un montant qui est plus élevé que ce qui est sur le compte de la personne, ce chèque sera refusé. C'est pour ça que je t'ai demandé qui t'a donné ce chèque. Quel est le degré de richesse de cette personne? Combien vais-je écrire maintenant? Tu sais quoi? Écris d'abord. Écris d'abord. Écris d'abord. 200 millions. Hey! 200 millions? Quoi? Non, mais arrête de blaguer. Oh, ok.
écris... écris 100 millions. 100 millions. 100 millions? Oui, oui. Mais c'est beaucoup trop. Comment peux-tu écrire 100 millions? C'est beaucoup trop. Tu es sûr que cette personne a cette somme dans son compte? Écris juste 100 millions, c'est bon. Tu sais ce qui va se passer? Je vais le faire à la banque, ok? Je mettrai l'argent dans ton compte une fois que c'est confirmé. Tu vois ce que je te disais sur l'ouverture d'un compte? Je dois y aller. Je dois vérifier ça. Alors, je t'appelle après, non? Ok, ok. Oh Dieu. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé ce chèque. Père éternel, si tu fais ça pour moi, je t'adorerai éternellement. J'exalterai ton nom pour toujours. Père, change mon histoire. Je sais que tu m'as envoyé ce chèque pour changer mon histoire. Je sais que tu m'as envoyé ce chèque pour réécrire mon histoire. Père, fais-le pour moi. Allô? Obina, dis-moi où tu as obtenu ce chèque. Ça a marché. Oui ou non? J'ai déposé le chèque. Et tout le monde à la banque me regarde bizarrement. Je pense qu'ils veulent appeler le propriétaire du compte. Et qui s'appelle le propriétaire du compte? Bye. Ah, ai-je falsifié la signature de quelqu'un? Ou ai-je pris le chèque de quelqu'un? Bien sûr que non, j'ai laissé ma Bible et j'ai vu un chèque dans ma Bible. Ah. L'argent est arrivé. Hey, ils ont payé. Hey, ils ont payé. Ils ont payé. Jésus. Hey. Obina, c'est pas vrai. Ça a marché. Oui. 100 millions de Naira. Oui, je les ai envoyés dans ton compte. Oui. J'ai trop hâte de fêter ça. Ok, on se voit plus tard. Oui. Hey, Obina. Obina. Tout ça est comme un rêve pour moi. Hey, Dieu est trop puissant. Hey, Obina. Obina, moi. Donc, je suis désormais un homme riche. Hey, c'est comme un rêve. Tout c'est comme un rêve écoute, pour moi. Écoute, Obina, écoute. Maintenant que tu as cet argent, hey, tu dois faire bon usage de cet argent. Oh. Tu m'étonnes. Oh. Tu dois investir. Choisis un truc. Quel business veux-tu faire? Je vais faire des affaires. Je suis un nabab. Si je me repose maintenant, je vais penser au meilleur truc. Si c'est l'importation, les conteneurs, c'est... Donc, même si c'est la Chine, je serai partout. Donne-moi juste quelques mois, tu verras toi-même. Tu as réussi. Jéhovah. Félicitations. Je suis maintenant un multimillionnaire. Il faut baisser la voix. Non, ne me dis pas de ne pas crier ma joie. Hé, hey, Hélène. Oui. Tu me donnes l'eau ou quoi? Ne te fâche pas, j'arrive. Merci. J'espère que le repas est délicieux. Mm-hmm. Pourquoi serait le contraire? Qu'en est-il de ton ami? Ou alors c'est ton frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Je croyais que tu avais envoyé tes gars le frapper. Pourquoi tu demandes après lui?
Mon frère, calme-toi, ce n'est pas la guerre. Je ne le vois plus. Il ne vient plus manger ici, c'est pour cela que je demande. Pourquoi devrait-il venir ici manger après tout ce que tu lui as fait? Izioku, Hélène, tu voudrais encore qu'il vienne manger ici? S'il te plaît, laisse-moi déguster mon plat, Biko. Ce n'était qu'une question, pas la guerre. Vas-y, mange. Maintenant que j'y pense, c'est vrai. Obina n'est pas venu dans cette gare aujourd'hui. Il ne s'est pas rendu au travail ce jour. Qu'est-ce qu'il ferait à la maison? Ce gars ne manquerait le travail pour rien au monde. Je suis sûr qu'il élabore un plan depuis la maison. Le connaissant, il ne peut pas rester à la maison à ne rien faire. Il y a quelque chose qui se trame. Que se passe-t-il là? C'est quoi ce changement? Tu sais, c'était... Mitsuna? Ton ami? Est-il au courant pour l'argent? Est-il au courant pour l'argent? L'argent? Non. Appelle-le pour venir s'amuser ici. Non, je vais l'appeler plus tard. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Je vais l'appeler plus tard. Ok. Tu ne bois rien? Hein? Tu ne bois pas? Non, je... Bois, ça va. Ok, oh. Le Richard, je suis contente pour toi. Moi aussi, je suis contente pour moi-même. Mais pourquoi ne prend-il pas mon appel? Quelque chose se trame. Et je vais trouver de quoi il s'agit. Ah. Obina. Ah. Il ne prend toujours pas. Ok. Ne t'en fais pas, je vais bien. Je t'expliquerai tout quand je reviendrai demain matin. Que se passe-t-il ici? Mais qu'est-il en train de se tramer, bon sang? Mon frère, voilà ce qui est arrivé. J'avoue que j'ai du mal à saisir. Tu veux dire que tu as un ami qui vit à Lagos et qui serait prêt à t'aider dans son domaine d'activité? Oui. Il a dit que je dois venir à Lagos pour qu'il m'introduise dans un business d'import-export. Et il m'amènera aussi en Chine. Sérieusement? Je piche toujours rien. Dans ce cas, qui va te donner de l'argent pour que tu lances le business importation? La même personne, non? Ah! Ah! La même personne. Es-tu en train de m'expliquer que ce genre de bon samaritain existe encore dans ce monde? Mon frère, c'est ça. Un jour, Dieu te bénira à travers quelqu'un
une personne qui changera ta destinée aussi. Yeah. Si je comprends bien, tu es en train de m'expliquer que tu ne vas plus vivre dans cette chambre du tout. Je ne vivrai plus dans cette ville. Je vais déménager pour Lagos. Quand? Immédiatement après cette discussion. Yeah. Oh. Eh. Alors, Robina, tu fais tes bagages pour Lagos? Mon frère, ça me choque aussi. J'irai à Lagos et ensuite en Chine. Ah, waouh. En Chine. Ah, waouh. Je ne comprends pas. Tu veux dire que tu fais toujours ça? Monsieur... Mais que voulez-vous que je fasse d'autre? Il n'y a personne pour me venir en aide. Je ne peux quand même pas me suicider pour autant. Je ne vais pas non plus... aller voler. Je ne comprends pas. Et où as-tu mis la Bible que je t'ai donnée? C'est à la maison. À la maison? Oui, monsieur. Tu veux dire que tout ce temps, tu n'as pas ouvert la Bible? Oh gars, je l'ai fait. Quand vas-tu cesser de me mentir? Comment peux-tu me dire que tu as ouvert la Bible mais tu souffres toujours? Oh gars, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette Bible? Tu aurais dû l'ouvrir pour le découvrir. Hein? Hein? Mais dis-moi, qui l'a ouvert? Parce que je l'ai ressenti. Hein? Mais oui, tu dis l'avoir mis où exactement? À la maison. À la maison? Ouais. Et tu vis avec qui? Je... Ce jour-là, je t'ai donné cette Bible pour changer toute ta vie. Hein? J'ai choisi par moi-même de te bénir ce jour-là. Mais tu n'as pas pu suivre de simples instructions. Ce genre d'opportunité n'arrive pas tout le temps. Vu que tu as décidé de continuer à souffrir toute ta vie, continue de souffrir. Je croyais que tu es assez responsable. Oga! Hey! Ma Bible! Obina! Ma Bible! Obina! Ah! J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Obina, je ne t'ai pas appelé pour toutes ces plaisanteries. Je t'ai appelé pour quelque chose de très important. Obina, où est la Bible que j'ai déposée sur la table? Oui, la Bible. Où est-elle? Obina! Obina, ne me raconte pas d'ânerie, d'accord? Tu ne peux pas me dire que la Bible que j'ai posée sur la table s'est fait pousser des ailes et s'est envolée comme ça. Obina, où est la Bible? Obina, ne raccroche pas cet appel. Obina, ne nous coupe pas. Eh mon Dieu, il m'a raccroché au nez. Je rêve ou ce gars m'a raccroché au nez? Mon Dieu. Et maintenant, que vais-je faire? Non. Non. Je ne peux pas juste rester là à ne rien faire.
Obina. Obina, décroche le téléphone. Obina, tu ne veux pas prendre ton téléphone. Obina ne veut pas prendre cet appel. Ok. Obina, tu vas prendre ton téléphone. Ok. Tu ne veux pas prendre mon appel. Obina. Si tu veux, abstiens-toi de prendre mes appels. Tu peux essayer de partir d'ici pour ailleurs, mais tu dois me rapporter ma Sainte Bible de gré ou de force. Obina, tu joues avec le feu. Obina, c'est ok. Oh. Il appelle encore. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois appeler merci. Allô? S'il te plaît, on peut se voir? Bye. Tu sais, je ne t'ai pas vraiment dit comment j'ai obtenu le mystérieux chèque. Je t'ai dit que je ne te le demanderai plus puisque tu as voulu garder ça pour toi. Avant que je ne te rencontre, Izuna a été d'une immense aide pour moi. Il a été plus qu'un frère pour moi. Qui est Izuna? Izuna est le gars avec lequel tu me voyais toujours chaque fois que tu venais pour ton marketing. Oh, ton frère? La vérité, c'est qu'il n'a jamais été mon frère. Nous sommes allés à la mine Mekon ensemble. Tu fais qu'on se ressemble beaucoup. Et les gens croient que nous sommes des frères, et qu'on nous appelle des frères, on accepte juste. Mais il n'est pas réellement mon frère. Ah, ok. Alors, il a été très bon envers moi. Il a tellement fait pour moi. Ok. Même quand je suis arrivé en ville, il m'a hébergé sans que je paie un rond chez lui. Il m'a introduit dans son activité qui était le poussage de brouettes. Et aussi, tellement, même quand j'ai eu des problèmes avec des voyous du marché,
Il était celui qui avait payé 20 000 naira pour me libérer. Donc il avait beaucoup pour moi. C'est une très bonne personne. Il l'est. Ouais, il l'est. Mais tu peux croire que, après tout ce qu'il a fait pour moi, je l'ai récompensé par le mal. Comment ça? Que s'est-il exactement passé? Opina. Opina. J'ai fait pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies avec autant de méchanceté. Obina, je réagirai en conséquence. C'est à cause de gens dans ton genre que les bonnes personnes finissent par devenir mauvaises. Je verrai un tradi praticien. Rien pour toi. Obina. Obina, tu vas me rendre ma Bible. Et ce fameux jour, Izune est rentré à la maison avec une Bible. Avant ce jour, ma mère m'avait longtemps parlé de l'importance de lire la Bible, se rapprocher de Dieu, car Dieu est le seul qui peut changer ton histoire et te protéger, tu sais. Elle me prêchait toujours ça. Alors, quand je suis arrivé à la maison, ma mère m'avait appelé genre, hier, je suis arrivé à la maison, j'ai vu cette Bible. Donc, je suis donc rentré et j'ai vu la Bible. Dans notre chambre, on avait une petite penderie où on gardait nos affaires. Alors, j'ai vu la Bible posée juste en haut de la penderie. Alors, je lui ai demandé, « Ah, Izuna, tu as acheté une Bible ?» Et il a dit non, que non, l'a vu et lui a juste donné la Bible. Que la Bible, est... je crois que tu lui as dit que la Bible n'est pas vraiment notre problème, que notre problème actuel, c'est l'argent. Comment il peut te donner la Bible, tu vois, innocemment? Car on ne connaissait pas le contenu de qui était dans la Bible. Donc, il a laissé la Bible là-bas. Moi aussi, je m'en foutais carrément de la Bible. Tu sais, donc... Mais un jour... Ce jour, je me suis réveillé, j'en avais marre de... d'aller pousser la brouette. Tout ça, j'en avais marre de la vie. J'en avais qu'une seule envie, ce jour, c'était de changer de business. Il a même voulu me convaincre d'aller au boulot. Je lui ai répondu non, qu'aujourd'hui, je voulais juste dormir. Je veux changer, chercher autre chose à faire, c'est tout ce que je voulais. Il était donc parti, j'étais à la maison à réfléchir sur la vie en général. Je me suis donc levé pour sortir, pour aller quelque part je crois. Mon esprit me dit, ouvre cette Bible. Et je crois que je voulais prier ou quelque chose du genre, mais innocemment, j'ai pris la Bible. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à feuilleter les pages. Au hasard. Et pendant que je feuilletais, soudainement, j'ai vu un chèque. Dans la Bible. Je ne savais pas ce que c'était. Je t'ai donc appelé. Et je m'étais rappelé et tu me disais quelque chose à propos. Tu te souviens quand je ne voulais pas me parler d'une ouverture de compte? Oui, oui. Alors, ça m'est venu à l'esprit de t'appeler pour que tu m'expliques ce chèque. Est-ce que... est-ce censé être un miracle ou bien? C'est étrange. C'est ça le problème. Ce n'est pas comme si j'ai intentionnellement
voulu l'écarter de l'argent que pouvait me procurer ce chèque. C'est juste que, tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas à quoi penser. J'ai juste eu l'argent et j'ai décidé de partir. Peut-être quand je serai installé, je saurai comment l'appeler pour l'informer. Parce que peut-être que si je lui avais parlé du chèque, il se serait fâché. Il aurait discuté avec moi et essayé de faire des problèmes parce que le chèque venait de lui. Donc mon esprit m'a juste dit, prends cet argent et pars. Donc je lui avais menti qu'un ami voulait m'introduire dans son domaine d'activité que j'allais à Lagos. Donc, depuis lors, ma conscience me tourmente. Car ce mec a été très, très bon envers moi. Il ne mérite pas un tel traitement de ma part. Pas du tout. C'est étrange. Oui, tu sais, ce n'est pas que je ne veux pas l'informer. Je n'ai pas intentionnellement voulu l'écarter. Mais tu sais, quand je l'ai reçu, j'étais sceptique. Je ne savais pas si je devais l'informer à propos du chèque. Il allait commencer à le discuter avec moi. Mon esprit m'a juste dit, prends cet argent et pars. Et tu réfléchiras à quoi faire après. C'est compliqué et vraiment étrange. C'est étrange jusqu'à il y a des jours. Je crois qu'il a vu l'homme qui lui avait donné la Bible. Et cet homme a dû lui dire le contenu qui était de ce qui était dans la Bible. Donc, depuis lors, il ne cesse de m'appeler, m'envoyer des messages. Je suis que c'est lui qui m'appelle maintenant. Ah, je l'ai bien dit. Il ne cesse de m'appeler. Je ne sais pas. Puis-je te poser une question? Vas-y. Si tu n'avais pas trouvé le chèque et que tu gagnais de l'argent autrement, et devenu riche, vraiment riche, aurais-tu aidé ton ami après tout ce qu'il a fait pour toi? Bien sûr. Alors, tu te dois de l'appeler. Dis-lui la vérité. Aide-le. Il le mérite. Ok? Et ton frère là, hein? Je ne le vois plus dans le quartier. On dirait qu'il n'est plus ici. Ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Chaque fois que je viens manger ici, tu n'as de cesse de me déranger. Voudrais-tu que j'arrête de manger ici? Tu veux que j'arrête de manger ici, c'est ça? Tu cries. Ta facture fait 400, paye ton argent. Allô? Allô, Isuna. Je suis dans la ville, où es-tu? Tu es dans la ville? Je suis chez Adja à ce moment même. Très bien, je t'attends, je ne bouge pas. Hein? Obina? Qu'est-ce que c'est Obina? Hey, le boss! Dégage, c'est bon, c'est bon. Mais c'est même pas de lui, c'est le gars qu'on avait frappé. Bien sûr, c'est le mec, celui qu'on avait frappé là. Le grand boss. Otoko. Le grand boss. Calme-vous, Végard. Calme-vous. Mettez-vous à genoux d'abord. Allez! Mets-toi à genoux, mon grand. Je te demande pardon. Pour qu'est-ce que vous me prenez? Écoute, mon grand. S'il te plaît, je te demande pardon. Pardonne-moi. Prends ça. Prends ça. Tiens.
chier ça. Longue vie à toi. Dégagez maintenant. Oh, le crâne, dégagez. Continue de te bénir. Hey. Ça fait un bail. Je demandais de tes nouvelles à ton ami Zuna. Où étais-tu? Est-ce que je te connais? Bonjour. Sois le bienvenu, tu es très mignon. Merci. Orina, tu es le bienvenu. Merci. Comment tu vas? Quand est-ce que tu es arrivé? Partons d'ici, ok? Ok, laisse-moi régler la facture. Adja, oui, viens prendre ton argent. Hélène, prends cet argent pour moi. Prenez, on y va. Obina. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu disais au téléphone? Obina, donc tu attends ce niveau de richesse et tu n'as pas daigné te rappeler de moi depuis tout ce temps. Je parie que si je ne t'avais pas appelé, tu ne te serais pas souvenu de moi. Oui. Pas vraiment. Obina, où est la Bible que j'avais laissée sur la table? Elle a disparu aussitôt que tu as quitté la chambre. Et tu ne peux pas nier le fait que tu l'aies prise, n'est-ce pas? C'est cette Bible? Oui! Oui! Oui, c'est la Bible en question. C'est la Bible, oui. Ah. Qu'est-ce que tu cherches? Je crois que je sais ce que tu cherches. Quoi? En tant que bourreau... Ouais. Je vais garder ceci. Vous allez vous partager ça. Mais boss, c'est non. Ce n'est pas juste, ce n'est mais pas non. Du tout juste. Ce n'est pas juste. C'est à nous tous qu'il a donné de l'argent, n'est-ce pas? On est censé se partager ça. C'est moi que vous écoutez ou lui? C'est comme si vous êtes malade dans vos têtes, hein? C'est comme si vous êtes cinglés. C'est comme s'il y a de l'air dans vos têtes, hein? Boss, ce n'est pas une raison pour se fâcher. Nous ne sommes pas en train de nous quereller. Pourquoi il veut compliquer les choses? Essayons de le raisonner. Écoute, ce que tu viens de dire là m'énerve énormément. Écoutez, vous deux, si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Écoutez, voilà un petit garçon qu'on a ramené du village il n'y a pas si longtemps. C'est lui qui vient de donner ses miettes. Même maintenant, on se dispute. Quel boss qui ne l'est pas, qui aura et qui n'aura pas. C'est le même gars dont on parle. On l'avait frappé parce qu'il avait giflé la fille d'Adia. On lui avait pris de l'argent et on l'a relâché. La même personne qu'on avait frappé est devenue riche et est revenue. Le mec africain est revenu, nous sommes tous dans le même quartier en train de se quereller. En plus, si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Si vous n'avez pas honte, alors j'ai honte à votre place. D'où sors-tu avec tout ce que tu racontes là, hein? Ça a quel rapport avec l'argent? Tu es malade? Ce n'est pas l'escroquerie qu'il fait un peu de partout là? Mec, oublie ça! Tu sais ce qui dérange un Nigérian? Et ce problème continuera. Vous savez, dès qu'une personne devient riche, vous supposez que cette personne a fait soit des richesses d'argent ou que cette personne a fait de l'escroquerie. Ok, bien. Si c'est de l'escroquerie que le gars a fait, alors va-t'en aussi faire de l'escroquerie. Tu as deux têtes? N'est-ce pas une tête qui est là? Tu as également une tête. Eh bien, deviens-toi aussi riche en faisant de l'escroquerie. Et va pas t'acheter sans toi de venir discuter sur la suite de quelqu'un d'autre. Vous le traitez d'un hacker. Attends, c'est honte pour vous. Attends un peu. Il y a un truc que je ne comprends pas bien. Quand j'ai appris que ce gars faisait ce genre de choses, ça m'a vraiment choqué. Ah ouais, ça t'a choqué? Ça m'a vraiment choqué. C'est bien que ça t'a choqué. Je n'ai rien compris. Je vous assure que je n'ai rien compris. Réfléchis bien, mon frère. Réfléchis. Tu viens jouer les boss. Et toi, boss, tu ne peux pas aussi devenir riche. Écoutez-moi très bien. C'est l'argent qui va aller, vas-y. Ne me parlez plus comme ça. Je suis votre patron. Hein, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me parlez plus comme ça. En tout cas, pour moi, à ce niveau, je suis assuré. Qu'est-ce qui vous arrive même? Je suis votre patron. Arrête à jouer bien, c'est ta chambre. C'est quoi ce genre d'humiliation? C'est quoi ce genre d'humiliation? Je l'aimais bien. Je faisais juste la dure espérant qu'il insiste. Ah!
Hélène. 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 Hélène, qu'est-ce que tu as? Rien, maman. Je l'espère bien. Va chez Benson chercher l'argent. Hein? Va chercher l'argent chez Benson. Elle répond, hein? Dépêche-toi, nous avons plein de choses à faire. Hein? Je l'aurais traité d'ingrat. J'aurais regretté de ne l'avoir jamais connu. Comment as-tu pu être aussi ingrat? Comment as-tu pu oublier si vite? Il ne nous a pas oubliés du tout. Il était juste confus à propos de l'histoire de la Bible. Écoute, il attendait le moment idéal pour tout me raconter. Et maintenant, c'est le moment parfait. Oui. Ok. Alors, c'est quoi le plan? J'irai à Lagos avec lui demain matin. Il m'a demandé de prendre certaines choses importantes et de le retrouver à l'hôtel Precious. C'est cet endroit que nous partirons pour Lagos. Waouh, ça c'est super, mais si tu vas à Lagos, ce sera quoi la suite? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bien, je n'en suis pas sûr. Mais je pense que la meilleure probabilité serait qu'il m'introduise dans son domaine d'affaires. Peut-être qu'il me donnera de l'argent. Maintenant, je n'en sais rien. Laisse-moi d'abord arriver à Lagos. Quelque chose me dit que ça sera bénéfique. Waouh, enfin, je suis très heureuse pour toi. Eziyoko, bébé, à ce moment même, je suis l'homme le plus heureux de cette planète. Oui. Tu vas me manquer. Voyons, mais je ne manquerai pas de t'appeler. Penses-tu qu'on pourra se rendre à Lagos ensemble, tous les deux? Waouh! Oui. Tu veux dire, je viendrai à Lagos? Ah! Waouh! Bien sûr que oui. Je suis contente. Je t'aime tellement, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Merci. Obina, tu veux dire qu'il y a des gens qui osent louer ce genre de maison à Lagos? Ce n'est pas un appartement à louer, c'est ma propre maison. Hein? Obina! Ça, c'est ta maison! Oui. Chineke. Ok, ok, dis-moi un truc. Est-ce que ta banquière crèche avec toi ici, dans cette maison? Oui. Hein? Obina, Obina, vous nous faites comprendre qu'elle fait son marketing depuis la banque alors qu'en réalité, c'est d'ici qu'elle fait son marketing, n'est-ce pas? Ben, elle fait toujours du marketing. Hein? Obina, Obina! Bon, oublie ça, Obina. Cette maison est magnifique, je te jure! Hein? Merci. Obina, hein? Cette maison est juste somptueuse. Dieu a béni. Hein? Tu veux dire... Obina, tu vis ici tout seul, hein? Obina, cette grande maison? Bon, voilà le plan. Ok. Cette maison est à nous. Hmm? Et notre entreprise, bien sûr, va investir pour nous deux aussi. Ah. Mm-hmm. Donc, pour tes déplacements, j'y ai pensé, je t'ai déniché ceci. Ce SUV que tu vas utiliser. Obina, une voiture pour moi? Ah oui. Ah. Pendant qu'on va commencer à construire notre maison sur le terrain vierge au bout de la rue. C'est également une de tes propriétés? Notre propriété. Obina. Notre propriété. Oui. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, non, le Seigneur te le rendra. Ça. Justement, toi, justement, tu en fais trop pour moi, je te jure. C'est beaucoup trop. Attends, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi d'abord. Hein? Arrête de faire ça, arrête. Alors, pour la société, on va partager les profits en trois parts. Ok. Une pour moi, une pour toi, et bien sûr une pour la société. Car on doit beaucoup épargner pour pouvoir
investir dans, tu sais, des domaines plus, plus stratégiques. Ok. Ok. T'as pas besoin de me remercier. Oh, merci énormément. Mais c'est vrai que quand Dieu veut te bénir, il te bénit de telle façon que tu penses que c'est un rêve. Les bénédictions de Dieu viennent des façons de servir. Merci, merci. Hein, tu dois remercier Dieu. Merci. Non, moi. Hein? Merci. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Non, ça c'est beaucoup trop ça pour va, une seule ça personne. Va. Hein? Allô? Ah, bébé, c'est fou ici, je te dis. Ton homme est devenu riche, t'assure. Ma vie a changé en une nuit. Waouh, tu me manquais déjà. Hé, bébé, rassure-toi, tu me rejoindras ici très bientôt. Bébé, arrête ça. Sois sérieux, non, s'il te plaît. Ah. Je... Non, 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 bébé, je ne blague pas. Regarde. Nous nous rendons là-bas ce week-end pour faire, tu sais, une ou deux choses. Tu rentreras à Lagos avec nous, donc prépare-toi. J'ai trop hâte de te voir. Waouh. J'ai trop hâte. Moi aussi j'ai hâte, bébé. Tu me manques tellement. Tu me manques davantage, bébé. J'ai vraiment hâte que tu sois là ce week-end. Ah, tu me manques également, bébé. Bébé, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous le verrons très bientôt, ok? Fais attention à toi, d'accord? Je t'aime. Tu me manques plus. Ok, bye. C'est toujours comme un rêve pour moi. Genre, toute cette histoire est encore irréelle. Dieu nous a enfin bénis. Hey! Dieu a enfin changé notre histoire. Hey! Ton fils est désormais un homme riche. La voiture avec laquelle tu es venu, à qui ça appartient? Maman, tu ne comprends toujours pas quand je dis... Dieu nous a bénis. De quelle voiture tu parles? La voiture n'est rien. J'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai des châteaux, j'ai des entrepôts à Lagos. Hein? La voiture, c'est quoi? Hein? Ah. Tu as des voitures? Comme un président de la République, des voitures. Maman, Dieu nous a bénis. Hey! Je t'assure, je suis riche. Oh, mais oui, ah! Oh, mais quoi, yao! Oh, mais boubadaï! Regina! Gina! Papa! Gina! Papa! 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 Hey. Quel est ce bruit que j'entends là dehors? Papa, on aura tout vu dans ce monde. Hey! Qu'est-il arrivé d'aussi étonnant? Qu'est-il arrivé? Papa! Obina est rentrée avec une voiture. Oui. Et Obina est devenue très, très, très riche. Papa, et ce n'est pas tout. Hein? Est-ce que tu sais qu'Obina a dit à sa mère qu'il a un manoir à Lagos? Hein? Papa? Papa, est-ce que tu connais le plus gros? Le vrai scoop même? Si tu vois l'argent qu'Obina verse sur sa mère actuellement, papa, tu vas tomber en syncope. Attends. Est-ce que ça fait déjà un an que ce garçon a quitté ce village? Comment ça? Ça ne fait même pas un an. Papa, Obina a trempé quelque part. Tu as raison. Hein? Oui, tu Papa? As raison. Hey! Papa, si tu vois l'argent, hey! Cet argent n'est pas simple. Effectivement. J'ai toujours su que ce garçon est méchant. Tu es sûr? Kobina n'a pas utilisé mes jambes pour des rituels d'argent. Il les a sûrement utilisées pour des rituels d'argent. Tu sais que c'est arrivé immédiatement qu'il est parti. Jusqu'à présent. Et maintenant, il est rentré avec plein d'argent. Il a sûrement utilisé mes jambes pour des rituels d'argent. Ce garçon ne connaîtra pas le bonheur. Il ne connaîtra pas le bonheur dans sa vie. J'ai toujours su qu'il est méchant. Un mauvais garçon. Je l'ai toujours su. Maintenant, regarde ce qu'il me fait. Obina est sorcier, ce garçon.
Un garçon très diabolique. Obina. Regarde ce qu'il m'a fait. Ok. Obina. Cet argent. J'espère qu'il est pur. J'espère que ce n'est pas l'argent de l'arnaque ou l'argent des rituels. Parce que si c'est l'argent des rituels, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas au... Maman, as-tu oublié comment on priait jour et nuit pour que Dieu change notre histoire? Je sais. Alors pourquoi parles-tu de l'argent du rituel? Hein? Mon argent est pur. Dieu m'a béni. Dieu a vu le fait qu'on souffrait et a décidé de changer mon histoire. Donc, tu veux dire qu'il est pur? Maman, vas-tu arrêter ça? Il est pur. Bien sûr qu'il est pur. Hey! Onyen Kanbonzi! Hey! Enfin! La richesse a décidé de venir dans ma famille. Hey! Tineke! Waliya! 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 Hey! Hey! Mon fils! Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Hey! Okwana, mon fils préféré du monde entier. Mon adorable fiston. Cette jolie fille que je vois près de toi. Qui est-elle? Maman. Hein? C'est la femme que je vais épouser. Hey! Akokwana, moi, Maka. Hey, Jai, je vais utiliser cette pierre pour faire deux coups. Hey, mon fils, tu sais voir les bonnes choses. Ouanya, tu as l'œil pour voir les bonnes choses. Ma fille, viens. Viens, viens, viens. Hey, moi, Maka, moi, Mosomma, sois la bienvenue dans cette famille. Je te souhaite la bienvenue dans ma famille. Excusez-moi, oh. Maman. Puis-je lui parler en privé? Juste une minute. Je reviens, maman. D'accord. Hey, Izona. Ah, ah. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est bien. C'est la volonté de Dieu. C'était quoi ça? Désolé. Je suis désolé de ne t'avoir pas informé avant de faire ce que j'ai fait. C'est le premier jour que je t'ai rencontré, merci. Tu as été si stimulante. Tu as été une bonne personne pour moi. Tu as été si encourageante. La vérité, c'est que j'ai fini par t'aimer. Il n'y a pas d'autre moyen pour moi de vivre une vie heureuse sans toi. De grâce. Je veux que tu fasses ce voyage avec moi. Je crois qu'avec toi dans ma vie, ça en vaudra la peine. On fera plein d'exploits ensemble. Tu es une bonne personne. Oui, tu l'es. Je ne sais pas quoi dire. Tu m'as vraiment embarrassée là-bas. Je sais. Je n'ai pas vu ça venir. Tu es une bonne personne. Et juste en te voyant, je savais que tu serais un homme important. Et je t'aime du plus profond de mon cœur.
Je t'aime encore plus. On peut y aller maintenant. Et je ne crois pas que ceci remplace une demande formelle. D'accord? Oui, madame. Oui, boss. J'ai le trac. Akrika. Il est temps de finir ce qu'on a commencé. Oui. Au lieu que tu cherches comment sortir de ce problème qui te menace, toi, tu veux continuer avec ce qui t'a mis dans cet état. Akrika, j'ai accepté mon sort. Je sais que je ne vais pas. En fait, il m'est impossible de sortir de cette étrange maladie. Oui. Mais à quoi cela me sert-il, ce garçon est en vie. Et possède tout ce que... Pourquoi je le combattais? C'est pour cette même raison pour laquelle j'ai tué son père. C'est inutile. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure avant que je ne meure. Ainsi, je pourrais mourir heureux. Tue-le. Si c'est ce que tu veux, moi, Akrika, moi n'a pas vous. Ogwanagara, je le ferai pour toi. Tout ce que je veux, après avoir fait ça, c'est mon argent. Ensuite, je m'en irai. Eze woningo zonga nanganga meneno. Manazi mugwezi muto gala damana gwereya. Mbaka na yandoza mandoza mandanano. Kweta punenu ayombra katangona nuche. Bua gbosi guzo gana gananga meneno. Wo. Woningo gwona je. Onkwanuna. Obase gana. Mes enfants, prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te remercions. Seigneur, nous exaltons ton nom pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous. Seigneur, nous te remercions pour la vie, pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous au nom de Jésus. Seigneur, que ton seul nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je remets mes enfants entre tes mains puissantes. Je me lève contre tout œil maléfique qui veut leur faire du mal au nom de Jésus. Amen. Seigneur, toutes les flèches de l'ennemi, je les renvoie à l'envoyeur. Toute manipulation de l'ennemi ne réussira au nom de Jésus. Amen. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Amen. Je les couvre dans le sang de Jésus. Je les couvre dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je les couvre dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ma funa nana ye no mo. Wana ye no mo. Wana ye no mo. No muna ne no mu. Wana ye no mo. Waya ne no mo. Obina. Je ne sais pas ce que tu as fait à ton oncle, mais il veut ta mort. Moi, Akrika Mwana Poapu. Mes mains sont propres. Amona Kazwabia. Ce qui veut dire que ton oncle veut ta mort. Maintenant, reçois ceci, Obina. Et Kwanya Woro. Adem Kwa, dès que je suis allé, Amadem Kwa, allez. Moi, t'as des bonnes heures, boy, allez, boyo. Non. Ce n'est pas de ma faute, s'il te plaît. Va chercher Obina. Cherche Obina. Non, ce n'est pas de ma faute.
Papa ? Papa ? Papa ?